très méchant. Qu'est-ce qu'il va pas avec cet homme? Il va me sentir lundi, qu'il ne me tente pas. Ah, toi aussi, c'est pas ta faute. C'est pas la faute de qui? Chaque fois, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il sait? Est-il le meilleur prof du lycée? Ah, n'importe quoi. Tu ne peux pas parler comme ça de ton professeur. Je l'aurai, Sio. Esther. Quoi? Tu as passé tout le contrôle à copier toutes les informations. Et tu as même copié tout mon devoir. Tu ne faisais même pas avant de ne pas étudier. Moi? Copier chez toi? Qu'est-ce que tu sais, idioma? Hein? Si c'est une injure, arrête. Mais c'est vrai. Tu aurais dû étudier au lieu de déranger les gens. Et les conseils, tu n'en veux pas. Idioma, arrête ça. Oh. Arrêtez quoi? Arrête ça, idioma. Arrête ça. Qu'est-ce que tu sais? Je crois que vous étiez plus que des camarades de classe. Mais regardez-vous. Esther. Tu sais que maman n'aime pas cette attitude. Et tu le sais. Hein, tu supportes Dioma, n'est-ce pas? Je ne la supporte pas. Tu supportes Dioma le discuter de ta petite soeur. Je te le dis, Esther, okay. Je te le dis. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi bizarre. On lui parle un truc, elle en fait un problème. Laisse, ne t'occupe pas d'elle. Tu peux rentrer à la maison. Ainsi. Pourquoi tu es venue seule? Où est ta soeur Gloria? Hein? Je sais pas. Elle m'a abandonné en quoi est allée ailleurs. Allée ailleurs où? Hein? Je sais pas. Je suis revenue directement à la maison parce qu'elle veut t'obéir. Tu nous as toujours dit de revenir des classes tôt, n'est-ce pas? Mais suis-je compromise? Hey! Cette fille va me tuer. Hein? À quel moment a-t-elle changé de direction de l'école pour aller ailleurs? Va me trouver ici. Je vais la tuer quand elle va rentrer ici aujourd'hui. Maman, bonsoir. Gloria, d'où viens-tu? Je reviens de l'école. Quelle école? Reprends-moi avant que tu dises mes propres mains. Quelle école? Ah, quel est le problème? Je reviens de l'école. Esther. Si elle s'appelait Esther, elle est rentrée si bien avant toi. Mais maman, c'est parce que je séparais la lutte entre elle et Idioma. Et quand tu devais être avocate? Hein? Brusquement comme ça. Mais maman... Tais-toi! Tu petite fille. Tu sors de l'école pour un endroit inconnu. Ok. Tu veux devenir comme Adongo. Qui a déjà deux enfants dans le nom de son père. Ou Obiku, la fille de Nobilou, hein, qui est enceinte maintenant chez son père. C'est ce que tu veux être? Non, c'est pas parce vrai. Parce que mon mari est mort. Tu penses que tu vas monter sur ma tête et chanter comme le coq? Tu ne le feras pas. Si tu penses que tu vas faire des enfants chez moi, que moi je les garde à ta place, tu as menti. Que j'entende encore un jour que tu as rentré de l'école et que tu as dévié ailleurs. Hein? Regarde, ta petite soeur, elle prend mes instructions et elle les met en pratique. Mais toi, jamais. Tu te rends inutile. Tu as menti. Folle. Non, c'est pas... Ferme-la. Que j'entende encore le tapin, je te tue. Écoute, avant que tu me tues dans cette maison, je te l'ai tué bien avant. Débile. Maman, je suis désolée. Tu dois l'être pour toi-même. Va-t'en. Stupide. Stupide. Stupide fille. Ouais. Parce que je suis veuve, tu veux faire des enfants pour moi dans cette maison? C'est impossible. Je n'ai pas fait à mes parents. Et aucun de mes enfants ne le fera. Malaise comme ça. Même pas toi, ma chère. Bonjour, venez. Oui. Excusez-moi, pas vous. J'aimerais parler à l'autre fille. Bonjour. Je m'excuse du dérangement. Attends. Excuse-moi, je ne maîtrise pas le coin. Et j'aimerais
me rendre à l'église Grégory. Ok, vous êtes sur le mauvais chemin, mais vous pouvez faire marche arrière ou alors vous pouvez tourner à droite devant vous là. Tournez à droite, l'église s'y trouve. Je vais tout droit. Tout droit. Oui, tout droit, tout droit. Ok. Excusez-moi. Oui. Désolé. Pourquoi ne puis-je pas vous déposer? Tant donné que nous empruntons le même chemin. Je suis avec ma soeur. Mais merci, merci beaucoup. Ok, merci. Maman, avertis Gloria, avertis là-haut. Peux-tu imaginer qu'elle me laisse sur la route pour aller suivre un homme à cylindrée? J'ai attendu environ 30 minutes, elle n'est pas arrivée. Avertis là-haut. Hein? Suivi un homme? Gloria, ma fille. Hey, tu es sûre? Je suis sûre, j'y étais. Elle est entrée dans la voiture, ils sont partis. Que vais-je faire? Dieu du ciel. Et tout ceci est arrivé alors que vous rentrez d'études bibliques. Oui, oh. Après, elle va écouter la parole de Dieu. Elle va suivre un homme. Ah, ah, Esther, qu'est-ce que tu racontes? La ferme. Pour ça, encore un mot et je t'entends de mes propres mains. Tu es folle? Oui, maman, qu'ai-je que encore fait? Tu viens de nous poser des questions. Qu'as-tu fait entendre de cet homme? Tu es folle? Hein, Gloria? As-tu d'un homme? Si tu me poses encore cette question, je vais te tuer de mes propres mains et t'enterrer. Ah. Et pourquoi suis-tu un homme en cylindrée? Où est cet homme? Dis-moi, réponds-moi vite! Mais maman, cet homme voulait se rendre à l'église Grégory et je lui ai indiqué le chemin. Je suis même pas entré dans sa voiture. Elle ment! Tais-toi! Sais-tu que tu es celle qui ne cesse de mentir à maman? C'est toi! Si elle ment! La menteuse! Où t'es-tu donc passé quand elle est revenue? Mais maman, pourquoi est-elle rentrée toute seule? Pendant que je parlais à cet homme, je l'ai vu courir. Je l'ai appelée, elle ne m'a même pas répondu. Tais-toi! Aïe! Stupide! Maman! Esther, s'il te plaît, assieds-toi. J'aimerais qu'on puisse causer. S'il te plaît, assieds-toi. Qu'y a-t-il? Esther, pourquoi me détestes-tu tellement? Pourquoi tu ne cesses de mentir contre moi? Que t'ai-je fait? C'est pour cela que tu me diras cette nuit. Ah, Gloria, s'il te plaît, je suis fatiguée, veux dormir. Esther, attends. Écoute, tu es mon unique sœur et je t'aime. Esther, avant toute chose, je voudrais que nous soyons de bonnes amies. Pas seulement des sœurs, mais des bonnes amies. Amie, en as-tu déjà assez de tes camarades de classe? Hein? Mais que racontes-tu? En tout cas, comment pourrons-nous être amies? Quand partout nous allons, tu es celle que les gens admirent. Tu es celle que les gens aiment. À la fin de chaque trimestre, tu seras la première pendant que moi je me débats pour passer. Quel genre d'amitié? Hein? Hein? Écoute, Gloria, nous n'avons pas le même niveau. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Oh, c'est donc ça ton problème? Esther, c'est ça ton problème? Tu es jalouse de moi, Esther. Pour l'amour de Dieu, je suis ta soeur et tu es jalouse de moi? Oh, je vois. Maintenant, je vois. C'est pourquoi tu fais tout cela. Tout ce qui est inimaginable pour détruire ma relation devant la mère, n'est-ce pas? Moi, jalouse de toi. Pourquoi? Es-tu plus belle que moi? Bien sûr, je le suis. L'es-tu? Bien sûr. Parce qu'on te traîne dans un cylindre, n'est-ce pas? Hein? Attends le jour où j'aurai mon fiancé. C'est ce jour où tu sauras. Regarde-toi. Parce qu'on te donne de l'argent pour t'acheter des huiles corporelles. As-tu dit? Tu me fais pas peur. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Qui te donne de l'argent? Qui me donne des crêpes? Attends, gros. Je vais te tuer aujourd'hui. Tu dirais ce que tu viens de dire là. Je vais te tuer aujourd'hui. Qu'as-tu dit? Je vais te tuer aujourd'hui. Qui me donne des crêpes? Je vais te faire venir aujourd'hui là. N'est-ce pas ta tenue? Qui l'a brûlée ainsi? Où est la mienne, hein?
C'est ta tenue que tu tiens. Est-ce qu'elle me ressemble? Menteuse, est-ce que tu as recommencé? Remets-moi ma tenue. Remets-moi ma tenue. Tu as recommencé. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Voici ta tenue. Tu peux bien voir. Regarde. Menteuse, remets-moi ma tenue. C'est ta tenue que tu tenais ce matin. Essa, méfie-toi de moi. Laisse-moi, maman. Laisse-moi. Maman, viens. Maman, viens. Donne-moi ma tenue, Essa. Mais maman, viens. Ma tenue. Ne cherche pas les problèmes sur ma tenue. Maman, viens. C'est ma tenue. Non, viens voir ça. Va pas. Viens voir ça. Ça, c'est ma tenue. C'est ma tenue. C'est ma tenue. J'ai dit que c'est ma tenue. Maman, elle a brûlé sa tenue et maintenant elle prétend que c'est la mienne. Hein? Attends. Maman, regarde, voici sa tenue. Maman, regarde sa tenue qu'elle a brûlée. Maman, regarde. Maman, regarde, c'est ma tenue. Regarde, c'est ma tenue, maman. Regarde ma tenue. Attends, maman, c'est ma tenue. Maman, c'est ma tenue. Calme-toi. Je te ferai une nouvelle tenue chez le tailleur. Non, maman, non, maman, c'est ma tenue. Dis qu'elle me remet ma tenue. Hein? Je suis fâchée. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Maman, ma tenue. Laisse tomber. Je t'en ferai une nouvelle. Non, maman, non, maman, je veux rien. Pour qu'elle me remet ma tenue. C'est injuste. C'est injuste qu'elle me remet ma tenue. Ah, c'est même quoi? C'est injuste. Non, maman, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Ah. Laisse Gloria, tu es la grande sœur, laisse-la. Non mais vraiment, est-ce que tu es fâchée? Je vais te finir aujourd'hui là. S'il vous plaît mes filles. Mes filles, je n'aime pas quand vous vous querellez. Je veux que vous vous aimiez l'une comme l'autre. Que chacune prenne soin de l'autre. Vous êtes du même sang. Du même corps. Bigo. Maman, elle est celle qui me taquine toujours. Mais elle joue à la sérieuse. Ok. Je veux pas savoir qui fait quoi ou qui a tort. Tout ce que je veux, c'est que vous viviez pacifiquement. Avez-vous compris? Et toi? Oui, maman. Si vous vivez en paix, ça me fera vivre plus longtemps. À moins que vous ne souhaitez ma mort pour devenir orpheline de père et de mère. Alors choisissez entre les deux. Si vous voulez qu'il n'en plaise à Dieu, alors aidez-le. Dis ça à ta fille. Je m'adresse à vous deux. Ce n'est que la paix que je vous demande entre vous. Chikeo, laisse-moi tranquille maintenant, dégage de mon chemin. Chikeo, qu'y a-t-il? Celle-ci, elle a égaré la blouse que je lui ai remis. Et quand je lui ai demandé de me remettre, elle m'a insulté et a même appelé ma mère sorcière. Ah, Esther, as-tu dit cela? Adéti Chikeo, laisse-moi tranquille maintenant. Chikeo, excusez-la, je t'achèterai une autre trousse. Mais, mais Chikeo, je t'ai dit que je t'achèterai une autre trousse, non? Esther, cours! Mais Chiki, reste tranquille, je t'ai dit que je t'achèterai une autre. Esther, va appeler maman. Mais Chiki, reste tranquille. Je vais te tuer ici là. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, c'est même quoi ça? Qui a-t-il? Maman. Qui te pourchasse? Maman. Maman Gloria. Gloria là-bas sur la route en train de lutter, c'est là-bas qu'elle est. Lutter? Gloria? Oui. Avec qui? Avec Chiki. Chike dit qu'elle a insulté sa mère sorcière. Il a ramassé un gros bâton et m'a presque cassé la tête. Il a fait ce morceau de cœur épuisé ce matin. Je me sens plus en sécurité avec elle. Viens, 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 allons. Où allons. Vas-tu? Là-bas. Il dit qu'il a un gros bâton. Tu crois qu'elle va y retourner là-bas? Je peux pas aller. Vas-y, c'est sur la route du Marigot. Vas-y, va les retrouver là-bas. Tu veux qu'on me casse la tête? Lord, you are wounding me, sister.
time you want is against me. You want, don't you know? You're my sister. Don't you see? You're killing me. Hey Gloria, qui est cet homme qui t'a ramené cette fois? Oh. Hey, tu semblais tellement jovial en sa présence, vous embrassant de temps en temps, avec tout ce que cela comporte. Maman, Gloria est devenue une grande fille maintenant. Avant le mariage, un homme est venu la déposer ce soir. Gloria. Maman. Un homme te dépose chez toi. Il n'a même pas l'imprudence d'entrer saluer ta mère. Maman, je ne savais pas comment tu allais réagir si je ramenais un homme à la maison. Hein? Et tu ne te soucies pas de ce que je ressentirais si je te voyais enlacer un homme devant ma maison. Maman, je ne l'ai pas embrassé. Je l'ai juste parlé. Et... Je l'ai vu quand il t'a embrassé, quand tu sortais de sa voiture. J'ai cru avoir mal vu. Gloria, qui était cet homme? Maman, c'est... Emma. Emma. Quelle Emma? Maman, c'est un étudiant en médecine dans mon université. Gloria, c'est ton problème, oh? Oui, maman. Tu dois faire très attention pendant que tu es encore sous mon toit. Parce que je te permettrai pas de te faire honte à toi-même ici. Je ne le ferai pas. Gloria. 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 Hein? Ok. Tu as grandi. Ok. Tu es maintenant à l'université. Ok. Elle a toujours eu la chance en amour. Plus les hommes l'aiment, plus on la demande en mariage, hein? Même quand mon père vivait, il l'aimait tellement. Mais moi, je suis la fille la plus laide qu'un homme ne peut désirer. Tout ceci a un lien étroit avec le comportement. Tu peux le vérifier. Et qu'y a-t-il avec mon comportement? Est-ce que tout le monde est parfait? Est-elle parfaite? Et comment se fait-il que c'est elle qu'on demande et pas moi? Viens voir lorsqu'on la demande à Maria, tu seras stupéfaite. On dirait qu'elle utilise le charme. Ah, ah. Comment peux-tu dire une chose pareille? Est-ce impossible? Ta soeur a un bon comportement. Bien sûr. Et je l'admire même tellement. Tu l'admires? Bien sûr, c'est une belle fille. Tu l'admires? Je croyais que tu étais mon amie. Comment peux-tu parler ainsi? Hey, s'il te plaît, ne s'il te plaît, continue à l'admirer. Esti, tu dois changer. C'est de ta faute. It's enough for all the new. One day, one day, no matter what. Every look of them, every go, every go, every more. Oh, while I also. Oh, maybe look at me. Ah, Emma, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Et toi? Je vais bien. Gloria était là. Qui? Celle-là. Elle est sortie avec un certain monsieur. Oh. Tu as dit un homme? Pour où? Et qui est cet homme? Emma, je ne devrais pas te le dire. C'est ma soeur, mais je n'aimerais pas qu'elle te trompe. Gloria, un vieux papa. Je lui ai averti plusieurs fois de quitter ce papa. Elle ne m'a pas écouté. Bien au contraire, elle le suit dans tous les hôtels de la ville. Pauvre prostituée.
Attends, s'il te plaît. Esther, es-tu sûr de ce que tu dis? Es-tu sûr de ce dont tu parles? Pourquoi mentirais-je? Pourquoi? Si tu ne me crois pas, va à Dick Hotel tout de suite. Tu les y trouveras. Il ne l'amène jamais à la maison. Peut-être même qu'il a honte d'elle. Gloria. Parle-lui, oh. Hey, ne lui dis pas que c'est moi. Fais pas mention de mon nom. C'est votre problème, ok? Hey, Gloria, où étais-tu? Emma te cherche partout. Emma? Oh, est-il parti? Bien sûr, à l'instant même. Il a dit que tu le trouves au Dick Hotel ou un truc de ce genre. Dick Hotel? Mais Emma ne m'a jamais demandé de le rencontrer à l'hôtel. Moi, à ta place, j'irai là-bas tout de suite. Chambre 16. Oui, par là. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. S'il vous plaît, quelqu'un. Je suis supposé rencontrer quelqu'un ici. La personne m'attend. Qui est cette personne? Un certain Emma Okono. Est-il ici pour du plaisir ou pour passer la nuit? Je ne sais vraiment pas. Ok, laisse-moi vérifier dans mon registre. Tu as dit Emma Okono? Oui. Désolée, je n'ai pas ce nom dans mon registre. Mais les gens viennent de temps en temps s'acheter à boire ici. Essaie de regarder dehors. Merci, madame. De rien. Bonsoir. Bon après-midi. Je voudrais voir tante Gloria. Y a-t-il un problème? Je suis le petit frère Emma. Je voudrais lui remettre ceci. Ok, je vais la lui remettre. Merci. Bye bye. Gloria. Qu'y a-t-il? C'est pour toi. Pour moi? Mais c'est de la part de qui? C'est de la part d'Emma. Emma. Gloria, je suis grandement désolé de mettre fin à cette relation. Mais je remercie Dieu pour la vérité qui surgit. Je n'ai jamais su que tu étais prostituée. N'essaie plus de me chercher. Parce que tu tentes, je te ferai boire la honte. Demeure la mauvaise fille que tu es. Adieu. Oh mon Dieu. Où est-ce que j'ai eu tort? Hein, ton fiancé t'a voix, une lettre d'amour et tu pleures. Laisse-moi voir. Mmh.
Tu vois, je l'avais dit. Je le savais. Cet homme est un coureur de jupons. Il cherchait juste un moyen pour se débarrasser de toi et aller dans les bras d'une nouvelle victime. J'en ai de ces nouvelles. Je suis sûre qu'il est heureux quelque part. Je dois aller chez lui le rencontrer. Hein? T'ai-je bien entendu? Allez où? Si tu y vas, je dirai à maman. Parce qu'aucune de mes soeurs n'ira supplier un homme en se roulant dans la poussière. De ce quoi un homme qui ne la mérite même pas. De quoi est-ce que tu parles? N'essaye même pas. S'il te plaît, sœur. Je ne te le permets pas. Si tu y vas, je dirai à maman. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pleures-tu pour un homme? Pourquoi? N'y a-t-il pas d'autres hommes dehors? Moi, on ne peut pas pleurer pour un homme, on en plaise en Dieu. Pourquoi? S'il te plaît. Tu n'iras nulle part. S'il te plaît. Je sais que ma soeur t'a blessée, mais je te promets d'être différente. Je te ferai plaisir où elle t'a fait mal. Je ramènerai la régresse dans ton cœur. Essaye de me mettre dans tes projets, s'il te plaît. Je suis la femme de ta vie. Vous deux êtes des sœurs, et une m'a déjà blessée. Et alors, je n'ai rien à faire avec toi. Emma, je te jure que je suis différente. Je te le jure. Je te serai reconnaissant si tu quittes cette maison. Mon père va bientôt revenir et je ne voudrais pas qu'il te trouve là. Y a-t-il pas une autre solution? Non. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Oui, qui est entré? Hey, Michel! Ah, mon bébé! Je me doutais de ton arrivée. Je pensais pas que tu viendrais. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien. Prends place. Ah, je pensais pas que tu arriverais. Oh, je te l'ai dit. Je tiens ma parole. N'est-ce pas? Au moins une fois, j'ai invité un homme dans cette maison. Que puis-je servir? Oh, une Guinness Smooth. Non. Maman n'approuvera pas quand elle va revenir trouver un homme buvant la Guinness Smooth dans la maison de mon feu père. Abandonne cette idée. Ok. Donne-moi une boisson douce. Ok. Donne-moi une minute pour l'acheter. Merci, c'est gentil. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Ouais. Je suis un ami à Esther. Oh. Vous êtes sa sœur? Oui, bien sûr. Bonjour. L'avez-vous rencontrée ou vous a-t-elle servi quelque chose? Elle arrive. Ok. En vérité, Esther et moi nous sommes amis depuis un bon bout de temps. Je suis satisfait d'entrer ici pour la première fois. Pourquoi? Vous avez peur de ma mère? Vous êtes une belle femme. Oh, merci. Vous ne me connaissez pas. On ne s'est jamais rencontré. Et vous me traitez si gentiment. Ah, elle est de retour. Esther. Puis-je te parler dehors? Suis-moi quand tu le dis. Mais Esther, oh, c'est pas vrai. Michel, je ne veux pas. Tu es à moi toute seule. Comprends-tu, hein? C'est moi que tu es venu chercher, n'est-ce pas? Aussi longtemps que tu es ici, n'est pas la personne d'autre qu'à moi. Comprends-tu? Mais je ne comprends pas. Je ne fais que parler à ta soeur. Hey, je ne veux pas savoir à qui tu as parlé. N'est pas la personne d'autre qu'à moi dans cette maison. Tiens. Rentrons dedans.
Frère, vous nous avez gardé du vin. Et c'est très sage. Mais nous ne savons pas le pourquoi vous êtes là. Inti Amani, bienvenue que tu es. Mes chers parents, je vous salue. Bienvenue. Nous avons apporté ce vin en rapport avec notre culture. La culture, c'est notre racine. Et nous devons l'obéir. C'est comme ça que ça doit être. Notre fils, Kenneth, a montré ses intentions de prendre nos filles pour être sa femme. comme disent nos gens, que les frères en position de force font la fierté des hommes du roi. Et nous lui apportons notre soutien. N'est-ce pas? C'est ça. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons beaucoup de belles filles dans cette famille. Nous voulons savoir laquelle vous voulez épouser. Et laquelle c'est Gloria? Gloria. Gloria. Oh Dieu. Une fois de plus, bienvenue. Depuis que son père n'est plus en vie, je reste comme celui qui le représente. C'est mon devoir d'accepter ce que vous avez apporté. Parce que c'est bien comme tu es intéressé à épouser une de nos filles. Oui, c'est normal. Si les mariages sont créés au ciel, nous sommes responsables de vous donner les clés. Une fois de plus, nous te remercions de nous avoir apporté les snaps et le vin. Respectant la tradition, il te revient de demander proprement la main de notre fille en mariage. Je crois bien que l'enfant est dedans. Donc, au salon. Il est mieux donc de l'appeler pour qu'elle nous présente son fiancé. Tu parles bien. Va l'appeler. Donnez-moi une minute. Voilà, un garçon bien, un garçon courageux. Les garçons d'aujourd'hui là. Il dit, c'est bien. Mon fils, tu t'encourages. C'est mal comme ça. Non mais, le gens qui l'ont apporté au village ici, est-ce que tu sais qu'on n'a jamais vu la qualité là ici? Ça doit être un gars bien. Hein, mon fils, tu connais la qualité. Tu sais pourquoi tu es ici? Connais-tu cet homme? Oui, monsieur. Adano, dis-lui. Ils ont apporté ce vin et cette cola. Devons-nous les accepter ou leur demander de repartir avec leur présent? Comme il est utilisé à m'épouser, je l'accepte. Voilà! Une bonne fille. C'est notre fille. Tous ensemble. Donc entrez, qui est-ce? Y a-t-il une âme qui vit? Oh, Esther, oui, ma soeur, comment tu vas? Bonne année, ma chérie. Comment était ton voyage? J'espère que tout le monde au village va bien. Vous allez bien? Oh, Esther, fais vite. Comment tu vas? Apportez une assiette, celle que tu dois avoir. Tu as bien mangé? Bienvenue parmi nous. Puisque je vous trouve en train de manger, je dépose juste mes bagages. D'accord, d'accord, fais vite, fais vite. Ah, Esther. S'il te plaît, chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Hein? Vois-tu, depuis 5 ans qu'elle a quitté l'université, 5 ans, elle n'a pas trouvé de travail. Et, pardon, permets qu'elle habite avec nous pendant quelques temps. Juste quelques mois, ok? Ok, je sais que nous nous sommes entendus de ne pas la laisser vivre avec nous. Mais mon unique soeur, s'il te plaît, chérie, hein? Juste quelques mois. Je sais que c'est ta seule soeur.
Mais elle est tout un sac à problème. Demain, elle dira qu'on lui a pris ceci. On lui a fait cela, je sais. Chérie, de quoi je parle. Toi. Juste quelques mois. Rien que quelques mois. Le temps qu'elle puisse commencer à travailler, hein. Fais-le pour moi, oh. Hein, chérie. Mon amour. Au nom de notre amour, s'il te plaît. D'accord, d'accord, j'accepte. Ah mais simplement parce que tu je insistes. Je le sais. Oh, si tu t'es déjà dit que je t'aimais, hein, j'arrive, reste là, je reviens. Oh, attends, je reviens. Esta. Oui, quoi? Devine quoi? Devine, essaie de deviner. Mon mari vient d'accepter que tu peux vivre avec nous. Oh, Seigneur. N'est-ce pas, Jean? Je suis très heureuse. Tu t'as soifé d'un boulot. N'est-ce pas? Très chanceux. Oh, n'est-ce pas? Je souhaite me marier à un bel homme. Si, il hein, faut demander à Dieu. Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Oh, je suis tellement contente pour toi. Oh, vraiment que c'est beau. Écoute, commence par faire des demandes, tu vas déposer partout. Hein? Commence par là et vois si les choses ne vont pas changer. C'est vrai. Pour un début. Mais je ne veux pas être secrétaire. Je suis mieux désormais. Ah, Esther, c'est ton premier jour de travail. Oui, oh, je suis très excitée de me rendre. C'est inimaginable. S'il te plaît, achète-moi des biscuits à ton. Tante, achète-moi une voiture à joie. Attendez au moins que votre tante touche son premier salaire. Là, elle vous achètera de l'avion. Non, c'est pas grave. Soyez juste des enfants polis. Je vous achèterai tout. Ok. Sois prudent, ma chérie. Oh, maintenant, vous êtes prête pour l'école. Allez, on y va. Courez, courez, courez. Imagine ça, la servitude. Ils m'ont transformé en domestique. Tantine, lave-moi les chaussures. Tantine, lave-moi les habits. Tantine, lave-moi les slips. Tantine, lave-moi ceci. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Mais je vais aussi me marier un jour. Je vais les abandonner avec leur maison. Les idiots. Comment, bon bébé? Arrête. J'espère que je vous dérange pas. Bien sûr que non. Comment était ta journée? C'était bien. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Gloria, entretiens ta soeur pendant que je me sais, rentre. Je sais, je sais. Esther, viens, assieds-toi. Ma soeur, il faut chercher à travailler au lieu de rester à la maison. Oh non, ma chérie, j'aime bien rester à la maison et je ne suis pas prête pour cela. Alors maintenant, raconte-moi ta journée. Comment était ta journée? Ma journée était normale, j'ai assez travaillé, j'avais trop à faire. Et ces gars qui meurent derrière. J'ai pas moins le temps des hommes. Oh. C'est faux. Tu es très sournoise. Tu as toujours été très sournoise. Je suis très sérieuse dans mon esprit. Je dois marcher et faire face à ma vie. Esther, chérie, tu sais, j'ai toujours prié que tu trouves un mari aussi confiant et fidèle comme le mien. Un homme qui fera tout pour ta satisfaction. Un homme comme le mien. Un homme qui va t'adorer, te chuchoter, te chérir. En fait, un homme qui fera tout pour ta satisfaction. Esther, réfléchis. Esther, il y a eu quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Y a-t-il un arrangement? Non. Alors quoi? Mon mari vient d'acheter une nouvelle voiture pour moi. Depuis combien de temps j'attends cela? Peux-tu imaginer? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, je suis très heureuse pour toi.
Tu es très belle. Oh. Maintenant, il faut que j'aille lui faire son petit déjeuner. Tu sais, il doit aller au travail. Donc, on se voit après. Laisse-moi tranquille et honte. Mais, tu n'es même pas capable de me donner 5000 naira pour me faire bête. Tu me demandes de me coucher. Me coucher pourquoi? Hein? Ne vois-tu pas tes égaux acheter des voitures à leurs femmes? À titre d'information, mon beau-frère en a acheté une à ma soeur. Et moi, je reste là te regarder pour ne rien faire. Ah, mais je ne suis pas le mari de ta soeur. Et je ne suis pas riche comme lui. N'est-il pas un homme comme toi? N'est-il pas un homme comme toi? Où est la différence? Esther, lui, c'est son mari. Moi, je ne suis pas ton mari. Cesse de me comparer à un autre homme. Que Dieu te maudisse. J'ai dit que Dieu te maudisse. Esther. Reste ici, moisi, idiot. Esther. Idiot. C'est à moi qui parle ici. Esther, tu es folle. Petite folle. Imbécile. Idiot. Tu reviendras, non? Esther, baisse les pieds. Tu sais que mon mari n'aime pas ce genre de comportement. Et en plus, les enfants, tu sais qu'ils sont champions dans les adaptations des mauvaises habitudes. Hein? Aujourd'hui, c'est samedi et tu ne travailles pas. Pourquoi ne viens-tu pas m'aider à faire certaines choses dans la cuisine? Aide-moi au moins à laver les assiettes. Esther! Esther! Esther, viens ici! Esther, je ne voulais pas t'embarrasser. Je te demandais simplement de venir m'aider pour certaines choses dans la cuisine. S'il te plaît, veux-tu bien venir me donner un coup de main? Je suis vraiment fatiguée. Tu sais que j'ai passé tout mon temps à préparer et je suis vraiment fatiguée. S'il te plaît. C'est moi que Gloria commande. Moi. Hey, Seigneur Jésus. Parce qu'elle est mariée, hein? Rien. Gloria de Caen. Yeah, yeah. Ha. C'est pas ta faute. Hey. Mais moi, Esther. Moi. Je vais te montrer. Je suis sûre que je vais te montrer. Je vais te montrer. Esther. Oui. Tu reviens du travail tôt. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, j'ai stupidement oublié un document dans la chambre. C'est lui que je suis venue chercher. Ah. Où sont les enfants? J'attends l'heure de sortie des classes pour aller les chercher. Bon, je dois monter, mais avant, j'ai acheté ces oranges pour toi. Je sais que tu les aimes. Merci beaucoup. Ok. Ok, je retourne travailler. Ok, j'espère que cette fois tu n'as rien oublié. Prends bien soin de toi. Bye bye.
maman, nous sommes rentrés. Ah, maman, nous avons faim. Maman. Maman, nous avons faim. Maman. 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 Maman, lève-toi. Maman, lève-toi. Maman. Papa. 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 Que se passe-t-il? Ada? Que se passe-t-il? Qu'a-t-il? Mon Dieu. Maman, lève-toi. Mon Dieu. Maman. Chérie. 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 Maman. Chérie. Mon cœur. Mon cœur. Chérie. Oh. Mais attends. Mon cœur. Viens. Allez. Viens. Doucement. Viens. Doucement. Pour son pont, il est en chute et c'est anormal. Ses yeux revulsent. Nous avons constaté que les cellules cardiaques sont touchées. C'est une façon de dire qu'elle a des problèmes très sérieux. Mais nous allons prendre soin d'elle. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Nous ferons de notre mieux. Ben, vous devez savoir qu'elle a dû consommer une nourriture empoisonnée. Quoi? Nourriture empoisonnée? Il n'y a pas de problème. On va prendre soin d'elle. Mais allez-y avec les enfants. Elle va se rétablir. Chérie. Ne t'inquiète pas, tout ça passera bien, ok? Ok. Ok. Oh, Dieu. Berto, ne la laisse pas mourir. Ne la laisse pas mourir. Dieu, je l'aime exagérément. Je l'aime tellement. Junior, cesse de pleurer, ça va. Ça va. Tout se passera bien. Maman sera bientôt de retour à la maison, ok? Ok, ça va. Ça va. Alors. Maman, comment tu vas? Adobe. Oui, maman. Où est ton père? Junior est venu au restaurant depuis. Parce qu'à cause de toi, il ne fait que pleurer. J'ai à te dire, mais... Mm. Mm. Mm.
Ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Va me chercher le docteur. Cours. Cours. Ok, ça va mieux maintenant. Non, pourquoi tu as enlevé la perfusion qui était sur la main de ma maman? Ça va mieux, son état... Non, elle ne va pas mieux. C'est ok. Maman, réveille-toi. Tiens, ma fille, maman, c'est bon. Demande alors qu'elle... Ça va, c'est ok. Elle ne peut pas. Non, maman. C'est ok, viens. Maman, non. Viens, on va dehors. Non, maman. Viens, c'est bon. Bien, ma fille, c'est bon. Oh, vraiment. Le monde ne cessera de nous surprendre. Parles-tu, Gloria, que j'ai vu pendant les fêtes de fin d'année? Comment as-tu dit qu'elle est morte? J'ai donné du travail. Quand j'ai trouvé mes enfants qui pleuraient en appelant leur mère, elle était couchée sur le ventre au sol. Je suis parti avec elle et la secoué plusieurs fois sans réponse. Tout de suite amenée à l'hôpital où elle mourut 2 jours après. Le docteur a dit que c'est un cas d'empoisonnement. Je comprends pas. Ce qui m'étonne encore, c'est qu'elle est à la maison seule. Elle était toute seule. Qui l'a tuée? Qui l'a tuée, mon Dieu? Maman, maintenant que l'enterrement est fini, je vais repartir à Lagos et reprendre avec mon travail. Les 3 semaines à moi raccordées se sont déjà écoulées. J'aimerais aussi amener mes 2 enfants avec moi. Ça, c'est impossible. Maman, dis-le lui, non? Quand tu travailles, je travaille. Qui s'occupera des enfants lorsqu'on sera en train de travailler? Je pense que Esther a raison. Surtout qu'on ne sait même pas encore qui a empoisonné ta femme. J'aurai une domestique. Domestique? Et comment penses-tu qu'elle traitera tes enfants lorsque tu seras au boulot? Il faut y réfléchir. Laisse-moi ces enfants pour quelque temps. Envoie-nous simplement l'argent des besoins primaires et secondaires. Je pense qu'avec moi, ils oublieront vite la mort de leur mère. S'il te plaît. Bien. Si vous avez décidé ainsi, qu'il reste avec vous jusqu'à ce que je retrouve une autre alternative. Ça me permettra de passer le temps avec mes petits-enfants. Merci beaucoup. Oh, wickedness, jealousy, and cries of pain. My blood, you are wounding me.
Every time you act is against me, you act, don't you know? Don't you know? You're my sister. My sister. Don't you see? Don't you see? You're killing me. Don't you know? You're my sister. My sister. Don't you see? Don't you see? You're killing me. Kenneth, tu te remets de nouveau à penser encore. Hein? Jusqu'à quand vas-tu continuer comme ceci? Écoute, elle était aussi ma sœur et elle me manque beaucoup. On doit le supporter ainsi. Ok? Tu dois commencer une nouvelle vie. Comment puis-je vivre quand tout ce que je vois dans mes rêves, c'est l'image de ma femme pleurant, m'appelant pour me demander de l'aide. Mais tu rêves parce que tu réfléchis trop. Tu dois arrêter de penser. Et en plus, tu as un tas de gens qui t'aiment. Beaucoup. Tu as ta famille, tes amis. Et c'est vrai. Viens. Et même moi, Esther. C'est vrai. Viens. Viens, viens, je te donne à manger. Viens. Viens, viens manger quelque chose. C'est un simple cauchemar. Essaye de te rendormir. Allez, calme-toi. Essaye de te rendormir. Ok, je suis là. Calme-toi. Kay, s'il te plaît, t'en vas pas. Non, il ne reviendra pas. Calme-toi. Il ne reviendra plus. Calme-toi, dors. Kay, s'il te plaît. Reste avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. S'il te plaît, je t'en prie, reste avec moi. Tiens-moi fort dans tes bras. Ok, calme-toi. Ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. Calme-toi. Calme-toi, couche-toi, couche-toi. Allez, 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 allez. Ça va, ça va. Thank you.
Seigneur, bénissez-vous au nom de Jésus. Amen. Junior, essaie de manger, non? Ne mange pas ça, avec le riz et le poulet. Oh. Essaie de manger quelque chose, non, mon enfant? C'est tout ce qu'on a à la maison, s'il te plaît. Non, non. Depuis, personne ne lui donne le poulet, la salade et la crème. Grand-mère, comment se fait-il que depuis que papa est parti à Lagos, il ne revient plus nous vendre? Je me suis aussi surprise, ma fille. Je vais lui faire une lettre. Il viendra bientôt nous rendre visite. N'as-tu rien d'autre à la maison comme nourriture? Pourquoi mangeons-nous toujours des ignames? J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Aussitôt que votre père envoie de l'argent, je vais te préparer un gros poulet à toi. Et un autre gros poulet pour Junior. Je mangerai salsa de nakunka. Ne donne à personne. Ne donne pas à Mani, ne donne même pas à Dobby. Mange ton poulet tout seul. Mange. Mange alors. Mange non. Ouais. Ouais, mon Dieu. Eh oh. Ok. Bois de l'eau. Tiens. Tu nous refuses de manger. Moi-même, tu ne veux pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Hein? Hé, hey, Gloria, ma fille. Pourquoi n'es-tu pas en vie pour encadrer tes propres enfants? Que vais-je faire? Où vais-je commencer? Hé, hey, Tineke. Ils doivent être dans la disette. Regarde la lettre que maman a écrite. Je dois aller au village pour savoir au moins comment vont mes enfants. Chérie, tu iras, ok? Tu vas les visiter et j'irai même avec toi. Mais remettons même à 3 semaines, ok? Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mes enfants? Est-ce qu'ils mangent bien? Bien sûr qu'ils mangent bien. Tu ne casses pas la tête pour rien. Maman est une femme soucieuse des enfants. Fais-moi confiance. Ok. Alors, je sais comment te procurer de la joie. Montons dans la chambre. Suis-moi. Tu es mon petit-fils adoré. Adaobi, toi, tu es très intelligente. Vous méritez des encouragements. Mais vous savez que vous devez continuer jusqu'à samedi prochain. Pourquoi, grand-mère? N'avons-nous pas essayé? Bien sûr, vous êtes même très bien débrouillé. Mais n'oubliez pas que je dois encore payer votre scolarité. Junior, vous devez aller manger votre nourriture. J'ai préparé des plantains et du haricot pour vous. Je sais que vous allez adorer ça. Allez-y. Dedans, entre. Merci Seigneur. Ouais. In the way I breathe sorrow.
wickedness, jealousy, and cries of pain. My blood, you are wounding me. Sister, you are wounding me. À notre amour. Every time you want is against me, you want, don't you know? Don't you know? You're my sister. My sister. Don't you see? Don't you see? You are killing me. You're my sister. My sister. Don't you see? Don't you see? You're killing me. Tears are falling down. Oh, c'est bon. My heart is torn apart. In the sky I see, in the way I breathe sorrow, wickedness, jealousy, and cries of pain. My blood, you're wounding me. Amen, ça ne va pas. Junior va vraiment mal. Junior. Maman. Comment te sens-tu? Je ne veux pas bien. Ada. Je pense que je vais la mettre dans un bon hôpital. Mais je vais faire comment? J'ai pas d'argent. Je dois voyager pour Lagos. Je vais essayer de faire un prêt d'argent pour pouvoir au moins payer mon transport. Grand-mère, papa nous a abandonnés. J'ai le pressentiment que tout ce que tu expliques n'est pas digne pour mes enfants. Je pense que tu es surmené de trop. Cesse de te tracasser. Essaye de retrouver le sommeil. Et si tu te sens pas bien dans ta chambre, retrouve-toi dans mon lit. Mes enfants ont besoin de moi. Je le ressens. Cesse de te morfondre, bébé. Je t'ai déjà dit de venir te coucher auprès de moi. Ménage un peu ton corps. Je ne peux pas. Ménage un peu ton corps. Surtout que bientôt tu seras papa. Qu'est-ce que tu as dit? Je porte ton enfant, mon amour. De qui? Depuis quand?
Maman, assieds-toi avant de poser un nombre incessant de questions. C'est ce qui t'a fait partie du village Qui t'a mis dans cet état? Qui? Maman, quiconque l'a fait va m'épouser. Je suis pas du folle. Détends-toi et assieds-toi. Viens t'asseoir. C'est grave, c'est terrible. Comment était le voyage? Esther, qui t'a fait ça? C'est quoi? Qui t'a mis dans cet état? Qui t'a fait ça? Ok, c'est Kenneth. Ken? Qui est-ce? Quel Ken? Kenneth, celui que tu connais. Le mari à ma fille sœur. Hey! Maman, calme-toi, ça se passe, ça se passe tous les jours. Par conséquent, c'est de crier sous mon toit. Abomination! Abomination, Esther! Abomination! Esther. Imezugo, on a compris le pire. Esther. Esther, ça fait à peine un an que ta soeur est morte. On n'a même pas encore fini de la pleurer. Abomination! Animal. Maman. Hey! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi. Maman, nous sommes dans les temps modernes. Nous ne sommes plus à l'époque primitive. Et en ce temps moderne, la vie continue. Les morts se font enterrer, oublier. Et en plus, Kenneth m'aime. Et il a oublié ses enfants. Kenneth t'aime. Et il a oublié ses enfants. Ok. Allez donc de l'avant et continuez dans votre péché. Pendant que ses enfants prennent le macabre fricon pour déjeuner au village. Couche avec ton père. Abomination. Tu ne dormais pas dans cette maison de malédiction. Pas moi. Tu n'as jamais vu. Animaux. Sorcellerie. Ça te gratte. Maman, reviens. It's enough for a chérie. Bien. Comment vas-tu aujourd'hui? Et comment était ton travail? Grâce à Dieu. J'espère que tout va bien. Bien. Viens goûter à mon lait délicieux. As-tu reçu un visiteur pour moi aujourd'hui? Non. D'accord. J'adore. J'espère qu'ils en restent encore. Non, en réalité, je l'ai fait pour Junior et moi. Il est venu? Non, pas celui-là, Junior. D'accord. Pourquoi ne vas-tu pas te rafraîchir et revenir manger, ok? Ok, je le fais rapidement. Ok. Ainsi, oh, frère de mon mari, j'ai mis mes deux pieds en route et je suis revenue. Parce que moi, fille d'Anezota, je ne peux voir l'abomination de mes propres yeux et cautionner cela. Viens. Esther a carrément pris le mari de sa feu sœur qui a abandonné ses propres enfants et les enfants de sa propre sœur qui meurent de famine et de maladie. Tofia, c'est difficile de croire, mais tu ne peux mentir contre ta propre fille. Nous devions nous rendre à Lagos et l'expulser de cette maison en premier. Qu'elle soit sa femme de droit ou pas. La tradition de la tradition. Si c'est si difficile à croire, alors que l'un d'entre vous aille voir de ses propres yeux. Parce que moi, je n'y mettrai plus les pieds dans cette maison. Jamais. Ne t'inquiète pas. J'irai. Et je prendrai avec moi Adobe.
Esther l'a charmé. Mais le charme de sa fille Adobe tuera celui d'Esther et ramènera le cœur du père vers ses enfants une fois de plus. Je suis d'accord avec toi. It's enough for me. One minute, one day, no matter what. Even if I'm living where it's forevermore. Oh, what a love! Oh, me and you never see. Oh, me and I'll never go. Oh, be a part of the world, be a where it's forevermore. Bang, bang, bang. Qui est-ce? Entrez. Ada. Donc, papa, tu es vivant. Que t'avons-nous fait pour que tu ne puisses nous pardonner? Papa, moi, Adobe ou Junior, t'avons-nous offensé? Ou alors, c'est notre vieux mère qui t'a offensé? Pourquoi tu nous as abandonné, papa? Pourquoi? Est-ce le grand-mère? Ça aide qui t'a offensé? Hein? Pourquoi l'as-tu puni en abandonnant les enfants entre les mains? Ichi, comprends-moi. Ada, je voulais venir au village, mais... J'ai vu mon père. Je voulais me rassurer. Il est vivant, pas mort. Nani, allons-nous-en. Ada, reviens. Ada. Kenneth, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cette tête? Ma fille Adobe. Je vois. Que veux-tu dire par Adobe? Est-elle morte? C'est pour ça qu'il est venu? Non.